Bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve sur Death Park 2. J'avais fait Death Park 1 qui avait bien marché sur la chaîne et j'avais fait Antarctica 88. Donc c'était deux jeux qui étaient de la même personne. Les créateurs du jeu m'ont demandé si je pouvais faire l'épisode 2 vu que le Death Park 1 avait super bien fonctionné sur la chaîne. Je vous mettrai le lien dans la description de la première vidéo Death Park. On va commencer dès maintenant. Je ne connais pas, alors ce que j'ai vu dans la description, il y a plusieurs fins comme dans l'épisode 1, comme dans le chapitre 1. Les monstres sont faibles et lents. Le clown est lent, plus d'indices. D'accord, donc difficulté normale quoi. Les monstres sont plus forts, le clown est plus rapide. On va tout mettre facile pour découvrir le jeu. C'est parti. Ok, c'est comme dans Antarctica quoi. Antarctica. Pas plusieurs épisodes. On se réveille comme dans chapitre 1. Mais c'est exactement comme dans l'épisode 1 en fait. Vérifiez votre sœur dans sa chambre. Là j'ai rien. Et là on peut voir Lily. La porte est verrouillée apparemment de l'intérieur. Ok, explorer la chambre des parents. Wow, ça flippe un peu, hein. Il y a un code. D'accord. Alors, Charlie, prends soin de Lily. J'ai été convoqué à l'hôpital. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Bisous, maman. Là, il y a un code. Je pense qu'il faut que je mette ça, du coup. 89. Yes, c'est bon. Nickel, ça a fonctionné. Oh là là, j'ai un pistolet. J'aime pas ça. Oh, le fameux ballon. Ça. Alors, touchez le ballon rouge pour entrer dans le monde des rêves. Ok. Ta mère ne reviendra jamais. Ha ha ha. Avec l'aide de ballon rouge, vous pouvez vous déplacer entre les mondes réels et les mondes des rêves. Vous ne pouvez pas emporter d'armes avec vous d'un monde à l'autre. D'accord, donc là d'ailleurs j'ai pas d'armes. Tiens encore, c'est bien. Ok, donc là je peux pas passer. Oh non. Salut Charlie. On dirait que vous avez appris à voyager entre les mondes. Cela aidera. De toute façon, votre soeur ne saurait plus jamais. J'ai volé son esprit. Non. Bientôt, tu devrais toujours sortir de ce monde. Ah ah ah, et son corps ne durera pas longtemps sans médicaments. D'accord, donc le LED, c'est retrouver une sœur, quoi. Alors, n'essaye même pas de m'arrêter. À bientôt. Ok, donc l'objectif, bientôt, besoin de sortir de la maison et demander de l'aide pour Lily. D'accord. Alors, tu as tué mon frère et je tuerai ta sœur. Et puis, je te tuerai. Super. Récemment, je suis allé avec ma mère et Charlie au parc d'attractions. Nous avons vu un clown terrible. C'était une horreur. Depuis, je rêve de lui tous les soirs. Charlie rêve aussi de lui. Donc ça, je pense que c'est le premier chapitre. Pour ceux qui l'ont vu, la première vidéo, c'était dans un parc d'attractions qui était juste énormissime. J'avais adoré ce faire partie de mes jeux préférés de 2019. Pardon. Voilà, donc, est-ce qu'on peut sortir ou pas? Eh ben, bien sûr que non, ça aurait été trop facile. Oh, lololo. Il m'a fait peur. Voilà, ouvrir le hoquet de la porte. Trouver un moyen de descendre au premier étage. De descendre au premier étage. Et maintenant, il y a un truc, peut-être que ça fait quelque chose ou pas? Ma soeur, elle est là. Je ne peux pas réveiller Lily. Tiens bon, je vais te chercher de l'aide. Ok, est-ce qu'il y a des choses en plus que je vais regarder? Ah, là, attends. Ok, je pensais pour se cacher. Et est-ce que maintenant je peux ouvrir ou pas? Voilà. Maison. J'ai verrouillé la porte. Quelque chose d'étrange se passe dans la ville. Je pense avoir vu des créatures effrayantes. J'ai été convoqué à l'urgence. Convoqué d'urgence à la base militaire. Reste à la maison avec Lily. Je reviens au plus vite, papa. Bah, lui aussi, il est parti. Bah, en fait, tout le monde est parti, quoi. Super. Moi, j'ai quoi? J'ai 8 ans. Ma soeur, elle a 7 ans. On nous laisse tous les deux, quoi. C'est quoi ces pères indignes, là? Projecteur ramassé. Ouais, c'est vrai que c'est un projecteur, ça, les amis. Moi, j'appelle ça une lampe de poche, mais une lampe torche, hein, comme vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on a là? Voilà, fermez la clé. Ah, le fameux ballon. Eh oui.
C'est entre les mondes. Alors là, il y a quoi? Ouh, la salle de bain avec du dentifrice. Et moi, je suis invisible. Voilà. Il est temps de faire caca. C'est quoi ce succès là de merde? C'est qu'elle le dit. Succès de merde. Ah, voilà. Ok, nous avons passé le monde des morts. Et la porte est ouverte. J'y vais ou pas? Oh, elle se met automatiquement à la lampe. Succès verrouillé. Je n'ai pas peur du nord. Tu sais pas si j'ai pas du nord ou pas? J'ai un peu peur quand même, légèrement. C'est quoi ça? Appris une clé hexagonale. Ok. Je ne connais pas cette clé là. C'est peut-être une nouvelle clé, hein. Écoute. Oula. Je suis où là? Quel manoir. Ok, d'accord. C'est sûrement pour ouvrir ça. Ok. C'est. Bah ouais, on est de l'autre côté, c'est ça. Trouver un moyen de rentrer. C'est bon. Trouver un moyen d'ouvrir le coffre-fort dans le bureau de votre papa. Eh ben, on va faire ça vite fait. Ah là. Vas-y, un petit peu avec un petit peu de avec un peu de persévérance, on peut trouver les choses. Voilà, je vais me mettre en mode réel. Ah oui, d'accord, il y a plus de tableau qui s'affiche. Oh là là, la galette. Donc là, il faut que je trouve. Donc c'est quoi le code du jeu? Alors, faut que je me mette en mode horreur. 3845. 3845, ça me fait pas. Ça me pas rappeler une date d'horreur, ça. 3845. Boum. La fameuse clé. Ramasser une clé. La porte d'entrée. Oui, la fameuse porte. Mais ça me fait un peu peur. J'aime pas ça parce que ça se trouve, on va pas voir. On peut pas trouver des gens. Quitter la maison pour trouver de l'aide de Lily. Ça, c'est fait. On va sauvegarder. Hein. Je sauvegarde. Parce que là, tout ce qu'on a fait, les amis, j'ai pas envie de tout perdre. Hop, je mets dans le monde de l'eau. Oh non. Voilà, gamin. Oui, mais trop manqué. Il est où? Il est où? Où est-ce qu'il est? J'entends, mais je sais pas où il est. Putain, faut que je lui pète tous ses ballons. Oh putain, il est là. Vite, pète, vite. Faut que je lui pète ses ballons. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai réussi. Oh, j'ai réussi. Fallait trouver le bon ballon. Trop bien. La ville. Trouver une machine à écrire au niveau d'un... C'est normal. Quitter la maison. Chercher de l'aide dans la rue. Ok, bah super. Grande lumière de la ville. Eh ben, il y a une poubelle. C'est bon, j'ai trouvé de l'aide. J'ai trouvé une poubelle. Oh. Waouh, ça c'est la base de militaire qui s'arrête là, bien évidemment. Là, on a une maison avec un drapeau militaire. Il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être nous aider là-dedans. Attends. Oula. Oula. Attention, l'évacuation a été annoncée. Toutes les patrouilles doivent quitter la ville immédiatement. Toutes les patrouilles remplies de munitions. Probablement quelque chose à voir avec la recherche de la base militaire. Maintenant, les militaires, à moins de l'incident, la ville restera. T'as une batte de baseball, on a tout là. Ok, je prends la batte de baseball. Prenez la batte de baseball. Attendez, je vais d'abord prendre tout ça là, une petite carte de la ville, je pense. On va prendre la trousse de soins parce que s'il y a une cinématique qui s'enclenche, j'ai. Voilà. Il me semble que. C'est bon, j'ai trouvé. Prenez un point, ça c'est fait. Dirigez-vous vers l'hôpital. Hospital. Je pense que c'est là-haut. Hospital. Oh! Alors ça, moi je dis oui. Il t'en faut combien, gros? Ça va aller? Ok, c'est écrit quoi? Bah, ils sont tous devenus des monstres alors. L'hôpital, les amis! Oh putain. Ah oui, d'accord, non mais les gars, j'avais quand même choisi facile et pas beaucoup de monstres. Et devant moi, je viens d'arriver, il y a quand même 3 monstres. C'est bien, ça va. Ça va faire ramener tout le monde, ça. On adore. J'ai pas regardé ce qu'il fallait faire, je suis rentré direct et j'ai commenté. C'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. Oula, t'as un ascenseur qui est mort là. Ah, il faut une carte. Les toilettes. Ouais. Je ferais mieux d'être patient.
Oh, oh, patient, pital. Putain, ils sont pas mal sur les petits jeux de mots là, hein. Franchement, ils se sont améliorés. Hein. Salut! Ouais, tu m'as fait peur. Hitchhot. On va aller par là. Mais en fait, c'est un hôpital ou un hôpital psychiatrique, ça fait quand même flipper, hein. Je pense son pronostic vital est engagé, hein. Ouais, je pense. Hop, c'est compliqué. Oh, ramasser une clé d'escalier de rechange. Ok, j'ai pas ramassé du succès, j'ai rien ramassé, même pas. Vous avez trouvé une clé, bravo. Ou la clé du bonheur. Ça aurait été sympa qu'il fasse un petit succès comme ça, mais bon, il y en a déjà trop, donc peut-être pas abusé non plus. Sinon, on appellerait ça le succès simulateur. Voilà, regardez-moi ça, même sans regarder, je l'ai trouvé tout seul. Pas top quoi. Regardez-moi ça, il est à l'autre bout de la pièce et j'entends comme s'il était à 2 mètres. Mais c'est bizarre ça quand même. Putain, ta capitale! Ta cap. Oui, pourquoi je dis ça la... Mais pourquoi je dis la capitale, moi? Mais il m'a fait flipper! Prends ton arme, prends ton arme. J'ai flippé, oui, j'avoue, j'ai flippé. En fait, c'était lui qui était juste là. Bravo! Vous m'avez fait peur! Félicitations! Oh, il y a quelqu'un qui a essayé de faire la tuyauterie, mais il s'est raté. Bon, je vais peut-être en trouver un peu plus tard. Ah, mais putain, mais c'est pas possible! Attendez, attendez, je change d'arme. Je change d'arme. Par contre, il va falloir me dise. Ouais, il va falloir que me dise, ouais, bien sûr. Français. Il va falloir me dire comment utiliser les trousses de soins. Bon, on va regarder ça dans les commandes. Oh, oh, oh. Secours. Tab. Ok, très bien, ouais. Merci beaucoup pour votre indication. Médecin chef. Attention, on va voir le chef, les gars. Là, faut rester sérieux. Oh non, c'est fermé à clé, il y a un monstre qui est arrivé. Oh le fameux ballon. Oh le fameux ballon. Ta gueule. Non, il est où le ballon? Monsieur. Oh non. Oh non. Tu ne peux pas me fuir. Mais oui. Oh bah ça y est, ça fait comme dans le jeu, ça fait comme dans le jeu, il faut trouver un moyen. Vite, 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 vite. Oh non les gars, vous pouvez pas faire ça. Ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs de choisir un endroit. Mais putain, mais wesh. Joint. Oh non, putain. Ah oh, moi je suis le mauvais truc, hein. Neptune. Je sais pas. Trop mal. Je sais pas. Laboratoire. Je prends toujours le même chemin, hein, toujours tout droit, hein. Bon bah les steaks, hein. Il sait pas de pas ça. La sortie n'est pas proche. La sortie est ici, la sortie proche. Quelle bande de salauds. Ça va pas être ça. Je crois que je suis dû aller tout droit, hein. Mais je sais pas si t'es fait exprès ou quoi. Oh, c'était lui. Examiner le bureau, ok. Repose en paix, notre patron, professeur et ami. Il y a un... Ah, je crois que c'était un ballon rouge en dessous derrière lui. Putain, j'ai un peu peur, hein. Ah, c'est une clé du cimetière. Il va me dire d'aller au cimetière, c'est ça. Ah. Bon bah écoute, on va aller au cimetière vite fait. Un gardien est nécessaire, monsieur Dotin, et à l'hôpital, vous avez besoin d'un remplacement temporaire. Trouvez la tombe du docteur chef. Voilà. On dirait qu'il était enterré, merde, il a besoin de chercher une pelle. Oh putain. Oh merde. Ah merde alors. Trouver la tombe, hein. Trouver une pelle. Super. Oh. Ok. Tu vas avoir pas mal d'objectifs, je pense. Oh merde. Tu vas mourir maintenant, chiot.
Chiot. Donc ça, ouais. Ramasser un homme. Ramasser Saphir. Il va me sauter à la gueule tout à l'heure. Voilà, une émeraude. En fait, j'avais même besoin de photos, en fait, tout était assez facile. Et ce jeu, il est énorme. Pour l'instant... Oh putain, par contre, il va venir par là. Il va où, là? Tout ça pour trouver une pelle, les gars. Eh oui. Eh oui, j'ai bien fait pour une photo, mais pas du tout, en fait. Sablier. Sablier, c'est le jaune. Là. Là, le cercle. C'est le rouge. Oh putain, ils se mettent. Merde, non. Ben, on va essayer les deux comme ça. Voir ce que ça donne. Non. Ça semble marcher. Yes! Tout ça pour trouver une pelle, les gars. Je te sais, j'ai rien. Remets ton manoir. Mon fusil à pompe. Le fusil. Le fusil. Le fusil. Le fusil. Le fusil. Le fusil. La fameuse pelle de la mort. Là. C'est parti. Oh, j'ai trouvé la clé. Pilleur de tombe. Ouais, c'est pas très cool, hein. Je suis d'accord. Pas très très sympa. Ramasser la clé du coffre-fort du médecin en chef. Je vais retourner à l'hôpital. Sean Huppert. On va regarder ce que tu as là-dedans, mon cochon. Ouh, c'est quoi? Pris un pistolet d'injection. Tu vas t'injecter quoi, mon gars? Et la fameuse carte, vous avez ramassé la carte clé qui est pour... m'a fait peur. M'a fait peur, oui. Ok, c'est bon. Je sais pas. Vas-y, mets-le. Hein. Trouver un moyen d'entrer dans la salle du réfrigérateur. Pourquoi? La porte se déverrouille automatiquement en cas d'incendie. Bah, mais je l'ai trouvé alors. L'alarme incendie au niveau est à nouveau interrompue. Appelez d'urgence un technicien pour démarrer le système. Non mais sérieux les gars? Mais sérieux? Buanderie. Alors ça c'est une buanderie ça. Ok, non mais moi je vois, on a chacun notre vie d'une buanderie, mais moi buanderie c'est pour mettre les affaires. Là y'a pas trop une buanderie quoi. Bon c'est quoi le système là? Oh mais tu sais pas qu'il y a un sens. Ah ok. Alors, ok, c'est bon, j'ai trouvé. Ça. Ça. Ça et ça. Bon, ça va. Pas besoin de technicien pour faire ça. Ah, je suis encore Timothée. Hein. Et merde. Trouver un moyen d'entrer. Ok, c'est fait. Prenez une dose de HZ3. Oh putain, il m'a fait peur! Il m'a fait peur! Il m'a fait peur! Pardon. C'est ça, j'ai 3. C'est bon. Combiné, ça c'est fait. Et maintenant, c'est fait. Maintenant, je dois me l'injecter, c'est ça? Injecter mes médicaments à votre soeur. Vite, ma soeur. Ma petite soeurette. J'arrive. Allez, j'arrive. Piqueur de musique. Haha, cela ne se voit pas. Et bientôt, elle abandonnera et tu verras ensuite, elle sortira de mon monde. Ne loupe pas ce spectacle. Dans une prochaine mise à jour. Il te souvient? Dépêchez-vous. Ah non, c'est pas fini en fait. Et là, je dois aller à Despark du coup. Oh non. Voilà. La barrière est ouverte. Le fameux camion de pompier qui a défoncé la barrière. Oh, tellement de souvenirs. Ouah.
Examiner l'entrée du parc. Ouah, ça fait bizarre. Mais par contre, s'il faut tout faire comme dans l'épisode 1, moi je le fais pas, les gars. Ah putain. Je sais pas où là. Bah, on arrive ou quoi? Cindy. Suivez le ballon rouge. Non, mais ça va, les gars. C'est dommage, Kezumi. Leur verrou ne peut pas être brisé. On dirait que nous avons besoin de quelqu'un avec un accès depuis la base militaire. Un rassemblement dans toute la ville est annoncé aujourd'hui à 19h sur la place principale. Je te suis, cher petit ballon. Emmène-moi où tu iras. On va quand même un petit peu vite parce que bon... Le problème c'est que si je suis trop loin de lui, il va s'arrêter. Si je suis pas assez près, il va pas assez vite. Bon les gars, oh, dans mon menu là. Il sait que par là je peux passer moi pour l'instant, je crois, si. Oh merde. Je pense que je vais avoir que j'éteins le feu, mais avec ça. Je fais un sapeur-pompier, ouais. Ah ok. Hop. C'est pas compliqué au fait, hein. Appliquer une pression maximale pour commencer à éteindre. J'étais bien. Yes, c'est bon. Parfait. Timothée va éteindre le feu avec ses propres mains. Incroyable. On n'a jamais vu ça de sa vie. De notre vie, pardon. T'as trop bien fait le feu, hein. Franchement. C'est du gasoil et tout, le gasoil est super bien fait. C'est bon, je suis passé. Oh, pas peur du feu, bah bien sûr que non. Par contre, le ballon il va trop vite là maintenant. Oh non, il me faut quelques... Ah, c'est bon. Oh, dans les égouts. L'assainissement. J'ai un peu peur en fait, les gars. Si c'est pas trop demandé. Trouver les tortues ninja. Oh putain. Ah non, j'accepte pas. On dirait les égouts de la ville jusqu'à la base militaire. Ah, mais oui, mais attends, mais les fameux ballons, mais là, non. Ah non, les gars, j'accepte pas par contre. Ok, c'est à partir de là qu'on va rigoler. Est-ce qu'on rigole actuellement? Je vais aller prendre à gauche. Là. Oh non, putain, mais les gars, non, oui. Sérieux, il fallait pas faire ça dans des petits chemins comme ça. Oh merde. Attendez. En plus, c'est là que je dois aller comme par hasard. Je dois aller tout droit, je dois descendre tout là. On me voit ou pas? Oh la petite fente de cow-boy. Et après? C'est quoi le délire là? Me dis pas que je vais trouver plusieurs vannes. Si, je vais trouver plusieurs vannes. C'est bien ce que je pensais. C'est ouvert ou pas maintenant? Fonce Timothée, fonce! Vas-y! Oui! Hey, cours, cours, tu ne peux pas te cacher. Je ferai mieux de vérifier comment va ta sœur. Laisse ma sœur tranquille, s'il te plaît. Il disparaît. Il s'est téléporté. Il a fait de la téléportation. Waouh. Trouver un moyen d'échapper au piège du clown. Trouver un moyen de surmonter le réservoir. Ah, ok. Et voilà, c'était pas très compliqué. Mais c'est trop bien. Ok, ça c'est fait. Rendez-vous à l'entrée de base militaire pour trouver la clé du parc. On se met dans mode normal. Oups, c'était pas voulu de base. Qu'est-ce qu'on a là? Les disjoncteurs, faisons tout éteindre, comme ça on va bien avoir peur. Je peux marcher sur ça ou pas?
Oh, il est temps de laver la culotte. Trop drôle. Les balles de fusil à pompe qui font toujours rien. Oui, d'accord, ok. Nice. Donc il faut que j'aille par là. Donc je vais tout droit et ensuite à droite et ensuite droit à gauche. J'ai pas envie d'imaginer d'ailleurs. Oh, c'est quoi? Appuyez sur 7, 2. Attends, appuyez sur 7, 2. Pas vers la droite. Appuyez sur 2, pas vers le haut. Appuyez sur 2, pas vers la gauche. Appuyez sur descendez. Appuyez sur. Mais c'est une blague ou. Appuyez sur 7. J'espère qu'il y a tout là. Ah ok, attends. Alors droite, haut, gauche, droite. Non, attends. Droite, haut, gauche, bas. Après. Ouais, parce qu'il y a droite, il y a haut, il y a gauche, mais par contre, il n'y a pas bas. Écoute, on va essayer. J'appuie sur 7. Ensuite. 2 pas vers la droite. Là. Ensuite. 2 pas vers la haut. Ensuite, appuyer 2 pas vers la gauche. Appuyez sur descendez. Et après c'est bon. Trop cool. Oh, j'adore ce jeu. Les énigmes sont extrêmement cool. Elles sont trop bien les énigmes. Ouh là là, le militaire. Mais c'est trop bien fait. Facultatif, trouver un moyen de sauver la ville. Eh bah écoutez, on va sauver la ville maintenant. Moi je veux sauver la ville. Je m'en fous, je quitterai pas le jeu avant de pas quitter la ville. Sauver la ville, pardon. Oh bah c'est trop bien fait, c'est trop bien, c'est super beau hein. Donc là je dois trouver une clé pour le parc, mais je dois aussi sauver la ville. Mais c'est facultatif, donc c'est pas obligé quoi. Mais je pense que pour faire vraiment la fin complète, je pense qu'il faut vraiment le faire. Alors projet Dreamcast. Ont été transportés à l'aide. Échantillons solides ont été trouvés. Probablement. Ok, si vous voulez lire, les amis. Ok. Vous mettez pause si vous voulez lire. Non, ce genre de choses, ça m'intéresse pas trop. Un fameux boss. Et ben, je veux pas utiliser mon fusil à pompe d'ailleurs. C'est bon. Oh putain, derrière! Ok, d'accord. Ça, c'était un boss, ça, les gars. Bon, j'ai quand même fallu mettre une. Un chargeur, quoi. Il est un peu bizarre, j'aime pas ça. Oh, oh là là. Oh là là, les gars. Une sauvegarde, je prends, j'accepte. J'accepterai. Il y a 5 jours, des échantillons de peur prélevés sur le sujet Lily ont été implantés chez les habitants de la ville. Il n'a pas été possible de paniquer au sein du groupe test. De plus, les gens commençaient à deviner qu'ils voyaient les mêmes cauchemars. Les résultats de la première phase des tests se sont révélés insatisfaisantes. Il a été décidé de passer à la deuxième phase. D'accord, oui. Oui, d'accord, oui. Bon, c'est quoi la technique, là? Rien ne s'ouvre, c'est ça? Ah, si, quelque chose, c'est si, par contre. Mais là, bon, c'est rien du tout. Ça nous intéresse pas trop. Alors. Bloc. Il n'y a pas de nom sur les trucs? Ouh là là, c'est quoi le délire, par contre, là? Ok. Alors attendez. Donc la salle B elle est ouverte.
Attendez, je pense que si je veux ouvrir celle-ci, il faut que je mette tout comme ça. Ok. C'est juste trop bien. Et t'es partout. C'est moi, il y a quelqu'un qui est marché derrière moi là. Oui, il y a quelqu'un. Il y a un monstre, c'est ça? Oui, il y a un monstre derrière là. Je vais pas être. Je vais pas trop aimer ce genre de choses, les amis. Hein. Bon, y'a rien parce que je regarde un peu partout, hein, parce qu'il faut sauver la ville, hein, pour info. Je prends ça. Hein. C'est nul ça en fait, pourquoi je prends ça? Bah, c'est logique, plus de balles par contre. C'est quoi? Ramasser un module de déverrouillage de la porte du parc. Je pense que c'est ça. Il semble que je peux ouvrir les portes. Ok, mais non, moi je veux... ouais, explorer la base militaire pour trouver une issue. Oui, mais moi je veux sauver la ville. Échantillon expérimental. Utiliser une précaution fonctionnant. Ouf. Portée de tir, combien? Un rayon de dégâts de 5 mètres. Ok, d'accord. Oh putain, je suis limité dans ce genre de choses en plus. C'est trop bien. Multidimensionnel. Mmh. Donc là j'ai tout visité de toute façon, j'ai rien à... Non, c'est pour nous dire que voilà, il y a ça. Taille 60. Ouais, 60%, wesh. J'entendais pas tout à l'heure mon gars, mais il y a personne. Oh putain, si. Il passe la porte ou pas lui? Il est tellement gros qu'il peut pas passer quoi. Donc là il me donne une arme cheatée quoi, une arme illimitée. Oh, je vois à travers un petit bug. Un petit, je sais pas si on peut appeler ça un bug mais... Il est juste là, le gros monstre là, là. Regardez-moi ça, il est là, il fait plaisir à voir là. Oh putain. Oh putain. Wesh. Wesh, je l'avais pas vu. Bon oui, mais c'est quoi cet arme cheatée en plus, c'est one shoot. Putain, il y a un fameux code là. Oh là bah les gars, c'est quoi ça? Oh la pie. Oh si, c'est des pies tout ça là, je comprends rien. Moi je suis pas fort à ça les gars. Hein. Les trucs, moi je comprends pas tout. Donc du coup en fait le problème c'est que les amis, j'ai le code malheureusement avec un indice. Je suis un peu dégoûté parce que j'ai pas compris. Moi je suis pas fort à ça, c'est... C'est un peu dommage, je suis désolé hein, mais bon, pour ceux qui l'ont trouvé tant mieux, mais moi je... C'est dommage, j'ai pas compris en fait. J'ai vraiment pas... J'ai essayé hein, ça fait au moins 20 minutes que je suis là-dessus là. Mais je pense que bah, les pis déjà je comprends rien, déjà. Et ah, c'est trop dommage quoi. Je suis deg parce que moi normalement j'arrive toujours à trouver les choses et puis là, non mais les équations et tout, je suis un peu une brêle en vrai. Ok, m'a ramassé une batterie de tours de protection. Activer les tours défense dans la ville. On en a une juste à côté de nous là. Qui est... Par là normalement. Elle doit être dans la maison là. C'est ça ou pas? Ok. Première tour mise. Dommage qu'on n'a pas un petit marqueur comme quoi on peut... Il y en a juste à côté de Death Park. Bah faut aller à Death Park je pense. Ensuite il y en a une par là. Je vais essayer d'avancer. Ça doit être par là normalement. Ouais. Bah c'est l'autre côté du coup. Ouais. Merde. Bah en fait cette arme là elle est trop cheatée quoi. C'est... Faut aller de l'autre côté ou pas? Ouais, faut aller de l'autre côté. Je suis désolé les amis si j'ai pas trouvé hein. J'ai tout essayé mais les mathématiques c'est vraiment pas pour moi. Je vais pas me défendre mais c'est un peu dommage. Encore ils auraient mis des maths, tu vois, des maths hyper simples, tu vois, par exemple des...
fois 4 ou je sais pas, mais avec un avec les multiplications ou les additions, tu vois. Mais là c'est les équations, c'est vraiment pas mon fort, quoi. Je suis vraiment une brêle, quoi. Allez. Mine là. Hop. Et plus qu'une tour qui devrait être normalement à Death Park. C'est ce qu'ils nous ont dit en tout cas. Quand on regarde le plan, elle est à Death Park. Il faut rentrer dans Death Park pour voir la tour. Attends. Que ça recharge là, il y a une petite barre blanche de l'arme qui recharge. C'est bon. Putain, mais trop bien cette arme. Elle est un peu cheatée, mais bon. Écoutez. C'est bon. Trouvez votre soeur dans le parc. Mais wesh. Parc de la mort. En fait, j'ai tout fait, c'est le dernier chapitre, je pense. Oh, les bons souvenirs. Ah, faut trouver la tour maintenant. Ah oui, le fameux ticket. Ah oui, ramasser le billet. Ah, si ça se trouve, on va devoir tout refaire comme dans l'épisode 1. Mais les gars, je m'en souviens plus. Hein. Ah, elle est là, la tour. Et boum! J'ai sauvé la ville. Normalement. Voilà, activer les tours, c'est fait. Héros de Finlande. Merci beaucoup. Ouais, et là, normalement, il y avait un petit pont en bois. Quel est là, d'ailleurs. Toujours là. Avec une planche cassée. Oh, je me rappelle, c'est trop bien. Oh, le train. Ah oui, c'est ça. Faut que je mette dans le... J'ai la carte. Et... Ça va casser quoi, cette fois-ci? Ah, normalement, ça devait donner une planche, normalement. Non. Ça devait me donner une planche, et que c'était pour fabriquer un pont. Bon, là, si je fais pas la fin complète, alors que normalement, j'ai fini tout le jeu, là, j'ai sauvé la ville, j'ai tout fait. J'ai peur de faire une bêtise. Attendez. Qu'est-ce que ça active, ça? Je ne sais point. On va descendre, hein. Je peux pas aller plus loin. Ok. Ah oui, d'accord, pardon. Je les ai pas vus, ces machins-là. Ramasser l'engrenage. Oh non, mais faites pas ça! Pas le ballon de la mort! Pas le ballon de la mort! Wesh! Oh, le boss! Cela est à... C'est avéré un grand... J'avais des mains ultra... Prenons le temps... J'ai trouvé du couvre-écou. How dare you, puppy? Now I can't get out into reality. But still, you won't see your sister. I won't let you live alive. Oh, un beau géant. C'est trop bien, Jen. Ok, donc je pense que ouais, il faut que je le tire dans les... Il est où? Oh putain, par contre, il me lance des machins là. Hey,
Tu l'as pris dans les yeux, mon cochon, t'adores ça, hein. Je te croyais pas comme ça, mon petit clownage. Il est où, il est où, il est où? Il me lance quoi? Ok, d'accord, il me lance des machins, donc il ça. Hé hé hé, encore dans les yeux. Regardez-moi ça, ce que tu as fait avec mon petit singe. Oh, dans les yeux, parfait. Oh, pitbull. Oh merde, maintenant il y a des boss. Mais t'imagines, j'aurais pas eu cette arme là. Oh, les gars, ça va aller ou? En plus, je vais pas changer d'arme. Hein. Mais wesh, ça one shoot, mais le mec, ça va, tu résistes toi. Aiden. Où es-tu? Petit chapeau pointu. Donc là, je vais devoir me battre. Oh merde, j'ai tiré n'importe comment, comme un cochonou. Oh non, je... Pipole. Je vois pas par contre ce que je fais. Hop là. Pipole. Par contre, ce qui est chiant, c'est que tu sais pas où tu lances les machins. T'as pas un indicateur. Des fois, t'as des indicateurs sur le sol, comme quoi il va te lancer ça là. Ça va, niveau vie, je suis bien là. J'ai ce qu'il faut. Non, il a bougé. Non, c'est bon. Il est trop bien ce jeu. Il est énormissime. Ça fait 1h50. Je prends un plaisir monstre. Oh, le one shoot, tueur de monstre, yes. I'll see you, bah moi je te vois pas. Ah, mon gars, c'est mieux qu'un zombie, c'est mieux qu'un mode zombie là. C'est mieux qu'un mode zombie. Je te vois pas, t'es où toi? Ah, ok. Oh, il a bougé. Oh, le salaud. Oh, il a fait une feinte de cowboy. Oh, la feinte de cowboy, il est plus vite que moi. Il a tiré plus que l'équiluc. Allez, je pense qu'encore deux coups là, je pense qu'il va. Il va mourir. Il va mourir. Oh, la feinte. Mais wesh, il est trop fort ce mec. C'est un clown, mais il est fort. Oh, le salaud. Allez, plus qu'un coup, je pense, et clacking clacoum. Imagine, je meurs là. Oui, fin que le clown il est mort. Il est décédé. Trop bien. Charlie sont échappés de la ville, ont atteint la frontière, la zone d'évacuation. Grâce au courage de Charlie, les tours de protection ont été activées. Envoyer de nouveaux monstres, entrer dans notre monde. Le projet a été fermé, revenu une ville normale. Wouhou! Trop cool! Bah, j'ai fait la fin, parfaite, je pense. Bonne fin. 1/8. Oh, y a 8 fins! Ah ouais! Donc voilà, moi j'avais fait le 1 et j'avais fait celui-là aussi. J'avais ces deux jeux en fait. Toutes nos félicitations, en espérant que vous avez aimé notre jeu, notre troisième jeu du coup. Veuillez noter une note, laisser une note. Et ben franchement, voilà, j'ai tout fait, les amis. J'ai tout fait. J'ai fait la fin parfaite. J'ai sauvé ma sœur. J'ai vaincu le clown et j'ai fait les tours de protection. Voilà, j'ai fait toutes les fins qu'il fallait, je pense. Je sais pas, il y avait pas d'autres trucs à faire. Voilà. Et ben, je pense que je vais suivre ces personnes-là parce que c'est des mecs monstrueux. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo, les amis. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, peut-être sur un de leurs jeux. Voilà. Vous pouvez également soutenir le développement de nouveaux jeux en faisant un don. Voilà, bah franchement les amis, si vous avez le temps, laissez un petit don à ce genre de créateurs qui sont monstrueux. Malheureusement, il n'y a pas eu trop de screamers, c'est dommage, il n'y a pas trop eu de jumpscare, il y en a eu 2, 3, allez, 2, j'ai eu peur 2 fois. Sur 2 heures, c'est pas beaucoup, mais bon, le jeu est extraordinaire comme dans le Death Park 1.
Voilà, c'est Death Park 1 et 2, je crois que ça fait partie de mes jeux préférés. Après, Antarctica, j'ai pas trop aimé, j'ai pas trop kiffé, mais leur jeu est vraiment bien. Voilà. Après, je pense que tu peux faire les mauvaises fins, genre tu sauves pas ta sœur, tu sauves pas, tu vends pas le clown et tu fais pas les protections. Et tout explose quoi, donc. On les fera pas, je pense que les meilleures fins c'est ça, hein, voilà les amis. Jouez à votre côté si vous avez le temps, voilà. Les amis, à la prochaine. Salut les amis.